Bref. It's not a game, it's a rage thing. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Cette vidéo n'était pas prévue, mais il faut quand même que je rentabilise ce make-up. Et cette coiffure, voilà, j'ai pas fait ça pour rien. En vrai, j'ai fait un tuto. C'est pas un tuto, c'est genre une vidéo dans laquelle j'essaye de réaliser cette coiffure parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, je peux pas dire que c'est un tuto. Mais cette vidéo, je sais pas si elle va sortir avant celle-là ou après celle-là. I don't know. Si elle est déjà sortie avant, n'hésite pas à aller regarder ça. Et voilà, je vais te montrer comment je prends mes photos Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. C'est joyannabardu8. C'est là que ça se passe. Voilà, si tu veux m'envoyer des messages, regarder les photos que je poste, etc. C'est sur mon compte Instagram. Donc le matériel que j'utilise, donc j'utilise un trépied que j'ai eu sur Amazon. Donc si tu veux, tout sera en barre d'informations. C'est pas pourquoi j'y ai... J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je prends mes photos avec mon téléphone, donc avant j'utilisais mon appareil photo. Mais avec mon téléphone c'est plus simple parce que je peux régler la dimension, tu sais, sur Instagram. Faut pas que ça soit trop grand ni trop large, sinon ça coupe. Ça fait un rendu bizarre, voilà. Donc avec mon téléphone c'est plus simple. J'utilise pas souvent Marine Light pour les photos parce qu'en général j'essaie de faire mes photos la journée. Je fais les photos avec la lumière du jour, donc là il n'y a pas de ring light, y a que la lumière du jour. La ring light je l'utilise peut-être pour les vidéos le soir, mais voilà. Quand il s'agit de faire des photos, j'essaye de privilégier la lumière naturelle. Je pense que c'est tout niveau matériel. Oui, c'est tout. Je vais devoir aussi m'acheter une petite télécommande là. Parce que je mets le minuteur 10 secondes et après je me place et après je fais mes photos. Mais il faut que je m'achète une petite télécommande. J'ai vu sur Amazon, ils vendent ça. Donc voilà, et puis mes tenues, j'avoue que je prépare pas forcément mes tenues la veille. Voilà, par exemple si aujourd'hui j'ai décidé de faire des photos, ben c'est aujourd'hui que je vais réfléchir à quelle tenue je vais mettre. Mais en général, je prépare rien du tout, je fais tout le jour même. Voilà. Donc voilà, et je prends mes photos dans ma chambre. Là, on est dans ma chambre. Dehors, bah, j'ai la flemme en vrai de sortir. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de sortir. Donc, tout se passe dans ma chambre. Pour les idées de photos, je vais souvent sur Instagram. Je regarde un peu les photos qui me plaisent et j'enregistre. Et puis, j'essaye de reproduire, pas copier non plus, hein, mais de m'inspirer de certaines photos. Et aujourd'hui, on va s'inspirer de cette magnifique photo que vous voyez ici. Elle est trop magnifique. De base, je devais la faire avec mes 13 plaqués que j'avais réalisés la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié. Le dernier jour où j'ai pensé à faire ça, mes 13, elles étaient déjà gâtées. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire avec cette magnifique coiffure que j'ai réalisée toute seule. Pour ça, j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'avais dans mon dressing. Donc là, j'ai un body comme ça qui me vient de chez Shein. Donc je pense que je vais utiliser ça. Et sur la photo, elle porte un jogging. Donc mon jogging, je vais aller le prendre. Enfin, c'est pas vraiment... Elle porte un jogging. Bon, moi, c'est le seul jogging que j'ai. C'est celui-là. Je crois que j'avais déjà fait des photos avec. Donc si tu veux regarder... N'hésite pas. Donc, je l'avais eu à New Yorker et c'est en taille 38. Donc, je pense que ça va faire l'affaire. Et puis, je crois qu'il a un sac dans tout du genre, mais voilà. On va essayer de le faire sans sac parce que voilà, j'ai pas énormément de sacs. Donc, je vais m'habiller. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien.
Voilà la tenue. Enfin bref, donc voilà, clairement je vais pas sortir dehors comme ça parce que j'aurai froid. Clairement. Donc on va faire tout ça dans ma chambre. Et en fait, la photo elle a été prise de dos. Donc je vais vous montrer comment je prends mes photos. Donc je crois que je vais pousser ça. Je vais rapprocher mon trépied. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment je prends mes photos, comment je pose, etc. Bon, j'ai rajouté ça parce que c'est pas que, mais il fait froid. Voilà, c'est pas encore l'été, donc bon. Je t'ai déjà montré comment je modifie mes photos. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te laisse aller la regarder. Je t'explique tout. J'avoue qu'elle est un peu longue, mais voilà. Prends un petit thé, prends un petit café ou même je sais pas de quoi grignoter pour regarder cette vidéo. Ça te donnera peut-être plus d'informations sur comment je retouche mes photos. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Comme ça, tu seras au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis voilà, j'aime trop ma coiffure, j'aime trop mon make-up. J'ai envie de dormir comme ça, j'ai envie de me réveiller comme ça. Mais je pense pas que ça sera possible. Donc voilà, moi je te fais de gros bisous, prends soin de toi. Bisous. Mouah.